Eh bien bonjour à toutes et à tous, lors de toute nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai. Donc petite vidéo sur le piaf, mais avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à la partager pour un maximum de renforcement, à me suivre sur Twitter, et venir sur le Discord de la chaîne. Voilà, et aussi petite information, du coup normalement c'est bon, la nouvelle outro est terminée. Donc elle était déjà terminée sur l'autre vidéo, mais j'ai eu un petit problème. La musique en fond était copyright. Là, j'ai laissé pendant une semaine la vidéo en non répertorié de l'outro. Il n'y a pas de problème de copyright. Donc du coup, on est bon. Et on est acté pour faire cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va faire l'oiseau sans personnage qui fait de la provocation. Donc, pas d'Arthur Calbur, pas de Matrona Rouge, pas de Diane Petite Verte, pas de Diane Fest. Tout ça, on oublie. Tout ça, on oublie. Mais là, vous dites, mais Ace, étage 2, étape 2, le piaf, il one-shot avec son AO. Et ben non. Grâce à la team que je vais vous présenter, il ne va pas one-shot. Donc, si on va sur le piaf, donc, étape 2, une grosse AO, hein. 3500% de l'attaque à tous les ennemis. Oh là là. Et ça rate en cas de provocation. Ah, c'est dommage, ça va pas rater avec nous. Parce qu'on n'a aucun personnage qui fait de la provocation. Ah zut alors. Du coup, je vous présente la team. La voici. Donc, il n'y a aucun personnage qui fait de la provocation. Mais, il existe cette team qui nous permet de tanker là-haut du piaf. Ça paraît dingue, mais vous verrez pendant la vidéo, je vais tanker cette AOE. Je vais même aller à l'étape 3. Donc l'étape juste après. Quand il augmente ses stats offensifs, enfin son attaque, 300%, je vais aussi tanker. Voilà. Enfin bref. Au niveau des stuffs, du coup, Melio qui est en attaque DCC, The One attaque DCC, Lick Merlin pour qui crit, Meliodas Paris, Link Sariel, Megelda, Lick Meliodas Démon Rouge. Je ne sais pas si il y a stuff. Ouais, si c'est 1700, ouais, si ça doit être stuff. Et Arthur vert, Link Tarmel qui est un peu obligatoire parce que Arthur, bah, il est vert. Et le piaf est rouge, donc forcément, il va aller s'orienter plus sur Arthur au niveau du focus. Au niveau du set de cartes, j'ai pris le set de la cave. Voilà, donc pas de secret, vous le connaissez. Et voilà. Du coup, pour l'étage 1, je vous le mets en accéléré. Pour l'étage 2, ça sera commenté. Et l'étage 3, c'est pareil, sera en accéléré. Voilà. Donc profitez bien de la vidéo. Enjoy. Et on est parti pour l'étage 2 du coup. Hop là. Ouais, pour 2. Et c'est parti.
Du coup, est-ce que je vous montre la face où on le one-shot? Enfin, one-shot. En vrai, si vous voulez pas The One Spé Max, je pense qu'ils le font moins Spé 4 pour faire le one-shot, je pense, pour le cap de dégâts. Parce que grâce au passif de Megelda, si vous temporisez bien, ben, ça peut le faire. Mais si vous le faites en speedrun, ouais, je dirais Spé 6, ouais, c'est bien. Mais The One Spé 6 n'est pas obligatoire, c'est juste que ben, ça vous assure d'être au cap de dommage, quoi. Après, on est plutôt large, normalement, je crois, au niveau des dégâts. Tac, on va jeter nos AOE. Donc toujours vos deux mono-cibles par tour, c'est important pour le passif de Melio. C'est ce qui va nous permettre de survivre à la haut du Piaf si jamais je dois lui faire proc son AOE, quoi. Enfin, si jamais vous n'avez pas l'aspect de The One. Honnêtement, si vous piochez pas de carte The One, vous faites du full move The One pour avoir sa spé et puis vous le torchez sur phase 1, quoi. Enfin, vous le torchez à phase 1 sans carte de The One, quoi. Honnêtement, c'est pas compliqué à temporiser cette fois. Non. Tac, tac, tac. Donc le soin après avoir frappé, c'est totalement voulu, c'est pour pas lui faire trop de dégâts et le one shot. Voilà. Là, je suis à que 2 passifs de Melio. Histoire d'arriver au moins à 3 quand t'arrives sur le Piaf, c'est plutôt pas mal, enfin sur l'étape 2. Pam pam pam. Tac, tac, tac. Je pense que The One est tout seul, non? Ouais, large. Oh, passif Tarmiel. Donc vous allez voir que même avec le passif le pire au monde, hein, franchement, c'est très du TPV max, je vais pouvoir tanker, hein, vous allez voir. Là, on est full lui, donc ça a rien de heal. Honnêtement, là, je serai pas en vidéo. Ce que je ferai, c'est spé The One, double attaque The One, et puis attaque Melio. Hein, et puis, même pas besoin de l'attaque Melio, genre une attaque Arthur. Et il serait mort, quoi. Mais bon, là, pour la vidéo, on va temporiser exprès. Hop. Et hop. On met le set de cartes de The One, et on passe. Tac, donc on a les deux passifs de Melio. Après, honnêtement, je pense que je peux tanker deux AOE. Franchement, je peux en tanker deux. Et du coup, ben, là où si vous n'avez pas votre spé The One, ou si vous avez un The One qui est trop petite spé, ben, vous l'affaiblissez, vous faites proc le revive. Et une fois qu'il n'y a plus le revive, vous pouvez le shooter facilement. Donc là, vous voyez, mes persos, ils sont bien, quoi. Par derrière, j'ai du heal, quoi. Que si jamais besoin. Hop, attack The One. Et attaque Melio. Pour vous montrer, là, je fais exprès de pas le tuer. Hein. C'est pour ça que j'ai heal. Hop, voilà. Là, j'ai juste fait proc le revive. Donc là, on fait dans l'optique où c'est une personne qui n'a pas de grosse espèce sur The One. Et qui est pas en potentiel de le one tour avec le revive. Regardez, vu que mes persos sont de nouveau full vie, hein, voilà, on peut retanker là-haut sans problème. Du coup, vu que le revive il a proc, là vous avez juste à taper comme un bourrin et c'est gagné. C'est gagné, il est mort, quoi. Ah, quoique, ah, si Gelda a plein de boost, voilà. Sauf que ma Megelda n'a même pas de skin. Hein. On est plutôt bien. Vous voulez, je peux même faire un move ultra
ultra toxique, j'allais dire, mais pas vraiment. Genre, je crois que c'est au niveau de, quand il est au niveau d'ici, au niveau de la barre de vie. Vous savez que les passifs grisés, là. Bah là, ici, c'est des stats offensifs qui gagnent. Vous allez voir que, du coup, je peux aussi tanker ça. Avec cette team. C'est juste n'importe quoi. Ah bah non, je crois qu'il sera mort avant. Ah, quoique, peut-être qu'Arthur il tue pas. Elle tue pas Arthur. Nice. Il a pas tué, du coup, Zewar. Que je peux le tanker, ça aussi. Donc là, il a une augmentation de stats offensives de combien? On peut le voir. Non, bah, faudra que j'attende son tour de jeu. Vous avez vu, Arthur, il bronche pas alors qu'il prend des mono-cibles. Sous buff, hein. Ça, c'est des grosses stats de boost, hein. Vous avez vu que mes persos, ils bronchent pas, hein. Genre, ils s'en foutent. Voilà, on peut le voir ici, du coup. C'est du 300% de chance d'attaque et du 200% de chance crit. Voilà, c'est pour vous dire le niveau de dinguerie que c'est. Du coup, on a double heal. Tac, tac. On va jeter les OE d'Arthur qui ne servent à rien. Et voilà. Franchement, il doit dans le nez, quoi, le pire. Hein. Vous pouvez prendre n'importe quel passif avec cette team. Je regarde même pas les passifs, je roule dessus, quoi. Du coup, tac, tac, tac. Et une petite spé d'Arthur pour le plaisir. Mais bon, il sera de la mort avant, quoi. Voilà. Du coup, pour l'étage 3, je vais faire pareil que l'étage 1. Je vous mets en accéléré le combat. Le but de cette vidéo, c'était de vous montrer qu'on peut tanker le Piaf quand il a son boost de stats offensif et surtout sa grosse AOE qui fait 3500% de dégâts.
Bon, voilà. Autant dire que c'était pas très très compliqué. Hein. On l'a tué violemment, ce piaf. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, par exemple, pour le farming, hein, si vous n'avez pas plus axe, par exemple. Et que vous avez The One et qu'une grosse paix et Meliodas Rocker, hein, parce que c'est la meilleure team au final. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, à la partager pas, un maximum de référencement. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.